Bonjour et bienvenue sur fourgonlecite.com. Nous voici de retour chez MyKit Van. Ce spécialiste aménage des vannes à toit relevable sur des bases neuves ou des occasions récentes. Vous pouvez même venir avec votre propre véhicule. En pratiquement 5 ans, beaucoup de choses ont changé chez MyKit Van, dont la mise en place de ce nouveau site de production et d'exposition ici aux portes de Nantes. Alors, si nous sommes là, c'est avant tout pour découvrir le Space Van, un concept 100% nouveau, 100% flexible. Vous allez voir, il y a beaucoup de surprises et beaucoup de choses à montrer. Et pour en parler, nous avons rendez-vous avec Jean-Baptiste Guigon, le directeur des opérations. Il nous attend. Allons-y. Bonjour Jean-Baptiste, merci de nous accueillir. Le Space Van, le voici. On peut vraiment dire que c'est une solution 100% flexible. Et quel était le projet de départ ? Bonjour Benoît et merci de votre visite. Le projet de départ, il est simple. Nous sommes partis d'un constat d'une nouvelle forme de mobilité plébiscitée par les Français. Et l'idée était d'offrir un véhicule 100% pluriel, modulable, au quotidien, comme pendant les vacances. En résumé, sans rien dévoiler, c'est vraiment une solution à la carte que vous proposez. Effectivement, une solution à la carte que je vous invite à découvrir. Suivez-moi. Jean-Baptiste, c'est vraiment un véhicule du quotidien, il n'y a pas photo, on est vraiment extrêmement souple au niveau de la conduite et son gabarit aussi, je pense. Effectivement, Benoît, c'est un véhicule du quotidien comparable à un monospace ou un SUV qui va, en gabarit, vous permettre de passer en dessous des portiques à 2 mètres, accéder aux différents parkings, vous permettre d'aller faire vos courses, aller au travail, déposer les enfants à l'école, ouais. Et aussi profiter de vos loisirs pleinement. Jean-Baptiste, il est temps de passer aux choses sérieuses et de nous dévoiler tous les secrets du Space Van. Et ça se passe à l'arrière. Exactement, Benoît. Allez, on y va. Le Space Van, le voici. Donc ce Space Van, il se compose d'un pack de 5 modules, dont 3 sont situés à l'arrière. Le module numéro 1 offre un petit évier rétractable accompagné d'une douchette qui s'insère comme ceci et se branche sur une pompe autonome reliée à un réservoir de 20 litres. En module numéro 2, nous retrouvons un réchaud gaz, un feu fonctionnant avec une cartouche autonome, ainsi qu'un grand rangement avec un tiroir à l'anglaise qui vous permet d'y mettre vos ustensiles de cuisine, vos couverts et vos verres. Enfin, en module numéro 3, vous avez un frigo 49 litres équipé d'un compartiment fraiseur. Pour l'éclairage, nous avons fait le choix d'une liseuse à allumage tactile avec un port USB pour charger une tablette ou un téléphone. Jean-Baptiste, c'est une solution super intéressante, mais la vraie question c'est de se dire où sont les rangements parce que... Effectivement Benoît, vous avez raison. Alors les rangements, on les retrouve dans les modules 4 et 5 avec un système type nautisme où vous pouvez accéder par le dessus à tous vos rangements, aussi bien de l'arrière du véhicule que de l'intérieur. JB, on a quand même perdu le coffre. Effectivement Benoît, à ceux qui nous demandent où est passé le coffre, voici ce qu'on peut leur répondre. Le coffre, en réalité, se situe derrière les deux sièges. En ce qui concerne le couchage, nous n'avons rien oublié puisque le Space Van offre jusqu'à 5 couchages, dont 3 au rez-de-chaussée sur un couchage toute largeur.
Après Jean-Baptiste, nous accueillons Aurélien, le chef d'atelier de Mike Kit Van, pour évoquer la partie la plus technique du Space Van. Bonjour Aurélien. Bonjour Benoît. Alors le Space Van, c'est un véhicule modulable, multifonction, polyvalent, on l'a dit, mais c'est aussi un véhicule 100% autonome. Tout à fait. Il est équipé de sa propre batterie. Dans le module numéro 4, nous la retrouvons. Hop. Donc une batterie 60 ampères au lithium, voilà, qui permet d'alimenter le frigo 49 litres, ainsi que la lumière avec son port USB, et la pompe que l'on retrouve dans le module numéro 1. Cette batterie, elle est amovible, ce qui permet de la recharger au secteur, via la prise camping ou à la maison, recharger via le moteur, véhicule roulant, ou en option, le panneau solaire. Donc cette batterie amovible de 60 ampères est équipée d'un coupe-circuit, d'un port USB-C, d'un témoin de niveau de charge, d'une prise 12 volts type allume-cigare, d'une deuxième prise pour la recharge de batterie moteur tournant, ainsi que la prise pour le panneau solaire. Ici, nous retrouvons d'autres prises, la bleue qui permet d'alimenter l'ensemble du véhicule en énergie, donc le frigo, la pompe, le port USB, la lumière, et ici, la prise jaune pour la recharge secteur. Aurélien, merci pour ce point électricité. C'est pas tout, il faut qu'on aborde un autre point important, c'est la modularité des éléments évoqués. Il faut rappeler qu'ils sont tous démontables. En effet, les modules sont tous assemblés les uns aux autres, ainsi qu'au plancher, par un système de boulons inserts qui permet de les dissocier indépendamment et en l'espace de 30 minutes, pouvoir tout enlever de son véhicule. Donc, et retrouver une configuration utilitaire vidée. Tout à fait, voilà. Tout à fait, complètement utilitaire ou avec ses 6 places. Ok, ben il nous reste plus qu'à voir ça. Très bien. Pour commencer la transformation, nous allons d'abord enlever les sièges individuels pour avoir accès à nos modules, tout déboulonner et les sortir un par un. Bravo les garçons, moins de 30 minutes pour passer d'une configuration loisir, en passant par l'utilitaire, à une version 6 places pour partir en famille. Je crois que par le biais du configurateur en ligne, on peut définir son véhicule. En effet Benoît, retrouvez-nous sur notre site www.mykitvan.com et configurez vos modules et votre prochain Space Van. Voilà, il nous reste à vous remercier et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur fourgonlecite.com.